ancien sénateur, et Youri Latontu avec Nenel Kassi, ils répondent nouveau biwa. Nouveau biwa te fait un autre outil côté au mandé. Et pour tout ancien sénateur, tout sénateur, mandat au fini pour être capable de remettre tout ça qui n'a main. Sauter dans une machine pour arriver dans un zépeng chevé. Eh bien, Youri Latontu avec Nenel, ils répondent biwa. Il fait qu'on ait eux-mêmes une décision, ça pas concerné eux, parce que mandat yo poco fini. C'est en 2022, mandat yo pas fini, qui donc, yo pas gagné qu'une machine, yo même, yo poil remettre. Moi, invitez-nous pour nous capables d'entendre une après l'autre, Nenel Kassi, Youri Latontu, dans le journal 4 avec Liliane Pierre-Paul pour plus d'informations. Mais juste avant, on entendait position et sénateur Nenel Kassi, yon pas, et nous l'autre pas, sénateur Youri Latontu, et sous note ça, secrétariat Sénat mette dehors qui mandait tout sénateur pour porter tout ça que t'es dans main, tout net. Sénateur Nenel Kassi, yon bayon délai 3 jours, secrétariat, et pour tout parlementaire, mandat ou fini pour remettre matériel, Sénat qui nan main, sénateur a fait qu'on ait mesure, ça pas concerné. Sénateur Niplan dit mandat par la fini dans le mois janvier 2022 et il demandait pour 19 sénateurs joindre un accord pour demander tout élu démissionner parmi eux Jovenel Moïse. N'attendez sénateur Nenel Kassi qui t'es parlé comme ça et non micro Ketia Jean-Pierre Tello. Nous-mêmes, sénateurs de l'opposition, nous sommes toujours contre les députés de l'opposition. Et c'est chaque fois qu'on sentit qu'il y a des décisions qui ont menacé l'intérêt supérieur de la nation qui a menacé l'intérêt du peuple, nous toujours présents. Ça veut dire que le cadre, je dis à 19 sénateurs à fonctionner au niveau du Sénat, c'est un là-dedans. Et tout autant que je ne pas senti que le sujet pour l'aborder qui a mis en péril l'intérêt de la population, c'est difficile parce que plus on travaille avec la population, nous plus on regarde comment pour nous battre pour casser ce système-là en regardant. Et le décret électoral 2015, et côté du très clair dans l'article 50-3, et côté il dit que mandat et sénateur, par exemple, l'opin et catégorie sénateur parmi eux. Mandat va finir en janvier 2022. L'opin catégorie sénateur Patrice et sénateur Lambert, mandat va finir en janvier. Et 2023, nous croyons qu'on nécessite pour harmoniser le calendrier électoral, pour harmoniser l'échéance. Et c'est là, parce que dans le cadre d'une droite politique, dans le cadre d'un nouveau débat, il faut qu'il y ait des gens qui fassent sacrifice. Là, je m'a demandé pour tout le monde démissionner en bloc là. Pourquoi c'est dans ce sens-là? Et je dis à ma petite bagaille, et tiens, qui me plaît qu'on note pour moi. Moi-même, pas attaché avec les questions. Mandat sénateur. Moi-même, quand je parle à vous là, son machine et parlement, il y a même, pas rien, parlement, il y a même. Ou pourquoi remettre machine, non, il y a 3 jours, franc, ou remettre machine, non, comme ça? Non, c'est pas, et pas avec nous, il y a parlé. Et pas avec nous, il y a parlé. Moi-même, moi, je crois que si pouvoir, il n'y a pas là avec nous. Parce que quand il y a parlé là, ma fond remarque pour tout le monde. Pas qu'à, si n'a pas qu'à fonctionner, en dehors des courbes qui se servent sénateurs. Si on est arrêté 10 sénateurs, notre sénateur, ça va penser au sénateur toujours menti. Et n'importe accord politique qui a sorti là, qui est de facto, qui sont encore tête en bas, qui pouvoir fabriquer avec là, n'importe qui, 10 sénateurs, ça va arrêter. Et c'est là que je pense qu'il est important pour 19 sénateurs, de chiter ensemble, et puis de proposer un bagage à la nation, et puis de faire sacrifice, de même tout. Il a retiré quoi, il a demandé Jovenel pour retirer quoi, il a demandé tout le monde de lui retirer quoi. Voilà, c'est sénateur Nenel Kassi, et puis bon côté par le sénateur Youri Latontu, fait qu'on est, mesure ça pas concerné, puisque le mandat pas l'a fini en 2022. Il était parlé comme ça dans le micro, Beethoven, François Fils. Il y a 10 sénateurs que le mandat est fini. Et que je dis, parce que il a adressé à sénateur Sayo que le mandat est fini. Et dans ce sens-là, depuis le mandat est fini, et ou obligé de remettre matériel immédiatement
ou soit cheminer, ou soit que justement ou même directement voter dans le Sénat. Parce que notre là, l'IADC a dit sénateur que mandat est fini. Mais ou même qui non situation bien particulière, selon exécutif là, comme quoi dire mandat a fini, est-ce que ça veut dire ou concerné? Non, nous-mêmes nous ne sommes pas concernés par notre ça, parce que justement, nous dit que mandat non l'a fini en janvier 2022. Le président dans Twitter dit l'a constaté, mais le président connaît le constat se fait par un acte administratif et jusqu'à présent, il n'y a aucun acte administratif qui était fait. Et d'ailleurs, je connais bien pour qui ça va faire acte administratif, je connais acte irrégulier par rapport à la loi et à la constitution. Je dis à Gayen, nous avons apprécié l'initiative du sénateur Dumont qui m'a dit à ce que Gayen, en réunion qui fait en tout 19 sénateurs, pour nous vider question ça. Parce que au départ, la question peut être résolue à l'intérieur du Sénat, mais que ce sont les sénateurs qui valident et les autres sénateurs, dans le sens de que les sénateurs arrivent et bien comprennent question et organisent le bureau à 19, mais parce que les questions la résolue, ça ne fait pas même besoin à l'ordre d'institution. Parce que je dis au niveau du Sénat, il y a en pile du dossier qu'il a, tout dossier de rapport qui était fait, par exemple, dans la commission éthique anticorruption, rapport qui fait dans la commission sécurité, et même deuxième rapport Cour des comptes là, qui est toujours dans le Sénat et qui doit rapport Cour des comptes sur Petro-Caribéa. Il est toujours dans le Sénat et il doit aller dans joindre les commissaires gouvernement avec le juge. Jusqu'à présent, vous pouvez aller. Voilà, sénateur Yuri La Tortue, dans le micro, Beethoven, François Fils, premier coup de pied d'actualité internationale là, a mené en Grande-Bretagne, côté Parlement britannique là, définitivement validé jeudi à accord sur Brexit là, qui offre tout ça que vous avez gagné dans le meilleur tournée. Et n'attendez sénateur PHTK qui parlait de obligation la loi à règlement interne, Sénat, qui bali pouvoir pour le faire ça. N'attendez Pierre-François Sildor, toujours dans la conférence pour la presse et débat. Jeudi, à côté Villeneuve-Joseph, tu es présent pour Radio Kiskeya. Le personnel du Sénat de la République, parce que il y a des gens qui voient ça, et c'est des problèmes de parler, parce que je vais inviter la presse demain, parce que je viens d'arriver et je recevoir maintenant un rapport de consulat des comptes qui, paraît-il, a retourné un ensemble de contrats. Je n'ai pas pu connaissance encore, et c'est un peu le contrat qui a ben, un problème avec par rapport à un contrat de rien. C'est un dossier qui m'a sur lui-même. Pour nous garder ça, EGA, secrétaire général là, il sortit une note qui demandait pour tout ancien sénateur pas pour ancien personnel qui a rupture de contrat, qui démissionné ou bien révoqué, qui a un matériel de maintenir. C'est un bail qui est normal, lui. Bail qui est normal. Très, très normal. Et si le sénateur n'a pas senti concerné par mesure là, je ne vais pas dire pour peut-être, ça ne fait pas faire cas ça. Par exemple, quand un sénateur n'est pas bien, c'est un cas qui est contentieux. Tout le cas est contentieux. Maintenant, un sénateur qui déjà voyait le matériel pour nous garder. Maintenant, fait matériel vini, que ce soit matériel ou là, que ce soit ordinateur, que ce soit téléphone, que ce soit bah, un acquis normal. Moi-même, dans l'entreprise, déjà, nous travaillons, je veux que moi, je dis deux jours après, je ne voyais ni machine, ni pistolet, ni projectile de gain, ni téléphone, moi, ni ordinateur, je voyais. Nous travaillons déjà dans l'entreprise, même clé USB, que nous comptons faire matériel, nous faisons remettre lui. Ce n'est pas un problème. Et puis, rien ne fait ça, ce n'est pas un bagage. C'est un inventaire, nous allons le faire. Qui n'a pas fait un inventaire de un actif pour gain? Qui n'a fait un inventaire de bien gain? S'il pas là. C'est le dit qu'a fait un inventaire. Faut bien là pour constater physiquement. C'est ça, on m'a dit. C'est pas un pas. Et puis, grand bagage et tout, comprendre que je fais acte de méchanceté. Non. Écoute, nous respectons le sénateur. Oh, non, pour le sénateur, là, pas grand possibilité, c'est pas grand machine là-même. Si on machine pour retourner, on bien sénat, là, pour retourner, même parfois, ça fait problème. Voilà. Président, vous parlez de la Cour des comptes qui retourne ensemble contrat. Est-ce que dans la recommandation du Sénat, pas gain d'argent ou bien qui ça va pas connaître? Non, je vais vous retourner sur la question parce que, comme moi, les conseillers de la Cour des comptes sur le sujet, parce que c'est un pile contrat qui retourne fait pour elle rapidement. Il y a un ensemble de recommandations que la Cour des comptes fait que la fait contrat pour te mettre, pour te tenir compte de vous-même. Vous n'avez pas tenu compte de ça. Donc, vous retournez compte. Il y a 630 contrats. Donc, c'est un pile contrat. C'est un pile contrat, même pas pour rentrer dans le détail là, je ne pas venir répondre trop sur la question, même moi, elle m'a annoncé, mais elle n'a pas parlé en long et en large du sujet ça. Voilà. Pierre-François Sildor, qui est président REST Sénat, yon président, yon nan 10 sénateurs qui étaient yo, selon sa Jovenel Moïse dit, sénateur et Patrice Dumont contesté légitimité et sous base, ça la loi constitution dit avec règlement intérieur. Mais juste avant, on entendait position
et sénateur Nenel Kassi yon pa et yon l'autre pa sénateur Youri La Tortue et sous note ça secrétariat Sénat mete dehors qui mandé tout sénateur pour porter tout sa que nan men yo tourner sénateur Nenel Kassi yon ba yon délai 3 jours secrétariat et pour tout parlementaire mandat ou fini pour remettre matériel Sénat qui nan men yo sénateur a fait konnen mesure ça pas concerné. Sénateur Niplan dit mandat par la fini dans mois janvier 2022 et il mandé pour 19 sénateurs joignent un accord pour mandé tout élu démissionner parmi eux Jovenel Moïse. N'attendez sénateur Nenel Kassi qui t'ai parlé comme ça et non micro Ketia Jean-Pierre Tello. Nous même sénateurs de l'opposition et nous sommes toujours et on fait députés de l'opposition et c'est chaque fois on sentit qu'il y a des décisions qui a menacé l'intérêt supérieur de la nation qui a menacé l'intérêt du peuple, nous toujours présents. Ça veut dire que nous avons gardé, et je dis à 19 sénateurs à fonctionner au niveau Sénat, c'est un là-dedans. Et tout autant que je n'ai pas senti que mon sujet pour l'aborder, qui a mis en péril l'intérêt de la population, la difficile, parce que plus à travailler avec la population, et nous puissions regarder comment pour nous battre pour casser ce système-là, en regardant. Et le décret électoral 2015, et côté du très clair dans l'article 50-3, et côté il dit que mandat et sénateur, par exemple, l'homme des catégories sénateurs parmi eux, mandat va finir en janvier 2022. L'homme catégorie sénateur Patrice et sénateur Lambert, mandat va finir en janvier. Et 2023, nous croyons qu'on nécessite pour harmoniser le calendrier électoral. Pour tout ça que vous avez gagné dans le même tournant, et nous attendons le sénateur PHTK qui parlait de l'obligation, la loi, à règlement interne, Sénat, qui balit le pouvoir pour faire ça. Nous attendons Pierre-François Sildor, toujours dans la conférence pour la presse cité bas. Jeudi à côté Villeneuve-Joseph, tu es présent pour Radio Kiskeya. Le personnel du Sénat de la République, parce que il y a un monde qui voit ça, et c'est des problèmes nous parlons, parce que nous avons invité la presse demain, parce que je viens d'arriver, et nous se voit maintenant au rapport de la consulaire des comptes, qui paraît-il, ça a retourné ensemble de contrats. Je n'ai pas pris connaissance encore, et c'est un peu le contrat qui a ben, un problème avec par rapport à la contrature de rien, c'est un dossier qui m'a venu sur lui-même, pour nous garder ça. RGA, secrétaire général là, il sortit une note qui demandait pour tout ancien sénateur, sénateur pas pour ancien personnel qui a rupture de contrat, qui démissionné ou bien révoqué, qui a un matériel de maintenir. C'est un bail qui est normal, lui. Bail qui est normal. Très, très normal. Et si le sénateur n'a pas senti concerné par mesure là, je ne vais pas dire pour peut-être ça ne fait pas faire cas ça. Par exemple, quand un sénateur n'a pas bénéficié son cas qui est contentieux, tout cas est contentieux. Maintenant, un sénateur qui déjà voyait le matériel tourner là. Maintenant, fait matériel vini, que ce soit matériel ou là, que ce soit ordinateur, son téléphone, que son bail sont acquis normal. Moi-même, dans l'entreprise déjà, nous travaillons, je révoque mon jeté 2 jours après me voyer ni machine, ni pistolet, ni projectile de gain, ni téléphone moins, ni ordinateur me voyer. Nous travaillons déjà dans l'entreprise, même clé USB, que nous comptons faire matériel, nous faisons remettre lui. C'est pas un problème. Et puis, rien ne fait ça, c'est pas un bagage, c'est un inventaire, nous allons le faire. Qui ont qu'à faire un inventaire de un actif pour gain? Qui ont qu'à faire un inventaire de bien gain? S'il pas là, c'est au dit qu'a fait un inventaire. Faut bien là pour constater physiquement. C'est ça, on m'a dit. C'est pas un pas. Et puis, on va gagner tout, comprendre que je fais acte de méchanceté. Non. Écoute, nous respectons le sénateur. Oh, non, pour le sénateur, là, pas grand possibilité, si pas grand machine là-même. Si on machine veut retourner, on bien sénat, là, tout retourner, même parfois, ça fait problème. Voilà. Président, vous parlez de la cour des comptes qui retourne ensemble contrat. Est-ce que dans la recommandation du Sénat, pas gagner d'argent, ou qui s'arrête pas comme ça? Non, je ne vais pas retourner sur la question, parce que comme moi, les conseillers de la cour des comptes sur le sujet, parce que c'est un pile contrat qui retourne fait pour elle rapidement, il y a un ensemble de recommandations que la cour des comptes fait que la fait contrat pour te mettre, pour te tenir compte de vous-même. Je n'ai pas tenu compte de ça. Donc, retourne compte. Il y a 630 contrats. Donc, c'est un pile contrat. C'est un pile contrat, même pas pour rentrer dans le détail. Je ne vais pas répondre trop sur la question, même moi, elle m'a annoncé, mais elle a parlé en long et en large du sujet. Ça. Voilà. Pierre-François Sildor, qui est président REST Sénat, yon président, yon nan 10 sénateurs qui étaient yo, selon sa Jovenel Moïse dit, sénateur et Patrice Dumont contestait légitimité et sous base, ça la loi constitution dit à règlement intérieur. Mais juste avant, on entendait position et sénateur Nenel Kassi, yon pa, et
Nous l'avons pas sénateur Yuri La Tortue et sous notre ça secrétariat Sénat mité dehors qui mandé tout sénateur pour porter tout ça que dans main yo tourner. Sénateur Daniel Kassi, il a bayon délai 3 jours secrétariat et pour tout parlementaire mandat ou fini pour remettre matériel Sénat qui dans main yo. Sénateur a fait qu'on est mesure ça pas concerné. Sénateur Niplan dit mandat pas la fini dans mois janvier 2022. Et il demandait pour 19 sénateurs joignent un accord pour demander tout élu démissionner parmi eux Jovenel Moïse. N'attendez sénateur Nenel Kassi qui te parle comme ça et non micro Ketia Jean-Pierre Tello. Nous-mêmes sénateurs de l'opposition et nous sommes toujours et on fait députés de l'opposition et c'est chaque fois on sentit bien des décisions qui a menacé l'intérêt supérieur de la nation qui a menacé l'intérêt peuple là, nous toujours présents. Ça veut dire, dans le cadre des choses, il y a 19 sénateurs à fonctionner au niveau Sénat, c'est yon là-dedans. Et tout autant que je ne pas sentir que mon sujet pour l'aborder, qui a mis en péril l'intérêt de la population, la difficile, parce que plus à travailler avec la population, et nous plus à regarder comment pour nous battre pour casser ce système ça, en regardant le décret électoral. Et 2015, et côté dit très clair dans l'article 50-3, et côté dit que mandat et sénateur, par exemple, l'homme des catégories sénateurs parmi eux, mandat a fini en janvier 2022. L'homme catégorie sénateur Patrice et sénateur Lambert, mandat a fini en janvier